On approche de la vraie ville de Prague. Après être passé devant un restaurant qui ressemble à une église, on va rentrer enfin dans le cœur du sujet. Ça, faut quand même dire que c'est vachement rigolo. J'ai découvert ça parce que Anishka m'a expliqué que c'est un truc que les enfants aiment bien et qu'elle a adoré quand elle était petite aussi. C'est des petites boules. Et en fait, quand tu les mets par terre et que tu les écrases, ça fait un bruit un peu similaire au papier bulle. Et du coup, les enfants, ils sont en mode ouais. Et c'est vachement cool. Et du coup, c'est bien pour les enfants petits comme les grands. Démonstration. Attention. Voilà. Et on a plein partout. Ça marche mieux sur le béton que sur du sol mou. Pour avoir testé sur différents types de sols. Là, on dirait du polystyrène qui pousse sur les arbres. So, we're doing it. It's the Museum of Communism. It's gonna be like Nuremberg. Please explain what you're wearing. I'm wearing protection against chemical rain. On est en ce moment en train de se balader dans le quartier juif. Il y a des synagogues, des étoiles de David, il y a des chandeliers, il y a tout. Et dans chaque rue, il y a un Jewish quelque chose. Il y a un Jewish Museum, on avait le Jewish Cemetery dans la rue d'à côté. On a le vendeur de crêpes juives aussi. On vient tout juste de passer devant une vieille synagogue, la plus vieille de Prague, d'après ce que je vous ai compris. Et en fait, c'est l'histoire du golem d'argile qui est super importante dans la religion juive. Il aurait été créé ici, c'est un genre de Frankenstein. L'histoire veut que le golem se soit emballé, il a fait vraiment plein de mauvaises choses. Et du coup, ils ont dû le tuer en effaçant une des lettres de son nom, qui passait de vérité à mort dans le langage de l'époque. Et du coup, le moral de l'histoire, l'homme doit rester à sa place et ne pas jouer à être Dieu. That's an interesting experience to record that because on the camera it doesn't move, but from my eye the same thing is moving.